couteau qu'a décrit notre client. Je t'en prie, ramène-la saine et sauve. Ok, ça marche. Petite bataille navale s'impose. On se réveille, l'équipage, on se réveille, on amarre les largues. Mieux vaut être sur nos gardes ici. Rejoignez le large. Sortez les rames. Arrêtez. Par les courses de Poseidon, tiraguez. Lâchez le volet. Allumez vos armes. L'ennemi est prêt à tirer. À la paix. Alors là, ça peut lui faire mal, ça. Lâchez. Préparez-vous. Des flèches. Attention. Préparez-vous. L'ennemi peut tirer sur nous. Hop, on se protège. Archer, soyez prêts. Plus vite. Et hop. Des flèches arrivent. Un deuxième. Et prenage comme ça. On nous tient. Voilà. Les amis, à l'abordage. Parlez à l'abordage. Aouh. Allez, c'est parti. Oh, le bâtard. Ok. J'en ai marre. N'approche pas. Je suis venu te sauver. Je viens de sauver ma poule. Fais couler mon bateau, pirate. Hein? Moi? Violer la loi? Qu'est-ce que tu racontes? Mystios, je t'en prie. Nous partions pour Mykonos, un endroit sûr. Si tu m'y conduis, je te paierai la somme prévue pour mon équipage. Anthusa va veiller sur toi. Tu dois rentrer à Corinthe. C'est ton foyer. Très bien. Ramène-moi contre mon gré. Je ne ferai rien. C'est chaud, en fait. Il est prêt à tirer ! Forcez l'allure ! Méfiez-vous de cette flèche ! C'est sérieux, ça ? Ça, c'est naviguer ! Dépliez la voile ! L'ennemi est prêt à tirer ! Tout le monde passe le combat. Trop peur du maquignon, je vais le buter celui-là. Nous nous sommes bien battus, mais d'autres combats nous attendent. Personne ne nous attaquera ici. Préparez les amarres. Cléo, on t'a fait du mal. J'ai prié Tiké pour que tu nous reviennes en vie. Je vais bien, je vais bien. Si jamais tu as la moindre écorchure... J'ai promis à ce mercenaire un mois de gage pour qu'il te ramène saine et sauve. C'est vrai? Bien sûr! Tu es ma sœur et je t'aime. Je suis tellement heureuse que Cléo soit de retour. Tiens, voilà pour ta peine. Bonne chance, à toutes les deux. Au moins, je n'ai plus à m'inquiéter. Les choses peuvent reprendre. Ok, bah nickel. Allez, la suite de l'histoire. Et bon, on y est. L'entrepôt du maquignon. Ah oui. Vaut mieux éviter de se faire voir, c'est sûr. Ok, ça va pas être facile. Voilà, lui il était un petit peu con.
Ouais, ça va être facile. Alors, est-ce que j'ai pris trop de niveaux? Est-ce que c'est fait exprès? C'est l'endroit. Allons brûler les marchandises. Je n'ai rien. Toi, s'il te plaît, à l'aide! Les dieux sont avec moi. Et de rien. Merci, ah ben, il y en a d'autres. Tu es libre. File. C'est sûr que là, ils vont avoir la dalle. Ah, par les dieux, ça brûle! Ah, ma lague! Il faut que j'éteigne ça! Ah oui, c'est qui l'ombre là? Oh putain, mais c'est quoi ce paysan? Bah pas comme ça moi. Bah il a senti la fumée, le nez délicat. Le feu, ça brûle. Ah sérieux? Bonjour. Je vous attends. Ah, c'est comme au foot, ils se font des passes. C'est ce qui s'appelle être badass. Comme un spartiate, avec résolution. Nous avons ça en commun. J'ai vu des innocents piégés dans les flammes. Ceux de l'entrepôt? Je les ai libérés. Un bon soldat obéit aux ordres. Un grand soldat sait prendre les devants. Merci. Je m'appelle Alexios. Je te remercierais aussi si je connaissais ton nom. Brasidas de Sparte. Tu es de... Ou Brasier, en français. Ah, tu es aussi espion. Le Brasier. Vieille habitude spartiate. Mais j'ai mes méthodes. J'ai l'impression que c'est une coutume à Corinthe. Ah, Anthusa. C'est une adversaire, mais nous avons un ennemi commun. Le maquignon. On souhaite tous les deux sa mort, mais de manière différente. Quelle sort tu lui réserves? Pour l'instant, le maquignon tient Corinthe. J'aimerais le remplacer sans créer un bain de sang. Ouais. Le seul moyen de le renverser, c'est de le tuer. Oui. Il est hermétique à la diplomatie. Tu manies l'euphémisme à merveille. On a arrêté ses lieutenants, armé les habitants, essayé de monter toute la ville contre lui, le tout en pure perte. Un coup d'épée bien placé. Ça devrait fonctionner, oui.
Si on réussit à l'attirer à la grotte sacrée de Corinthe, il est mort. Et pourquoi ? Je ne quitterai pas Corinthe avant d'avoir tué le Maquignon. Cela te vaudrait la gratitude de Sparte. J'ai été un Spartiate. N'est plus le cas ? Jusqu'à ce qu'on me jette du mont Taygetos lorsque j'étais enfant et qu'on me laisse pour mort. Tu es le fils du général Nikolaos ? Tous les Spartiates connaissent son nom. Et tu serais là, en vie ? Impossible. Impossible, les pas Spartiates. Et j'ai grandi seul pendant... Spartiate ou non, les gens de bon sens pardonnent et méritent d'être pardonnés. Je cherche à retrouver ma mère, Myrine. Seul Antouza peut m'y aider. Oui, Myrine. Oui, Myrine quoi ? Tu la connais ? Tu ne saurais rien sur Myrine, par hasard. Je sais que personne ne mérite d'endurer seul une telle tragédie. Et on dit qu'elle a quitté Sparte cette nuit-là. Personne n'a oublié Myrine. D'après ce que je sais, elle aurait préféré qu'on l'oublie. Tu as connu Nikolaos. Un bon général, mais têtu comme une mule. Et récompensé pour sa loyauté. En réalité, on n'a jamais retrouvé son corps. C'est l'État qui l'a déclaré mort. Ne t'en fais pas. Je ne l'ai pas revu depuis mon enfance. On ne peut pas revenir en arrière. Celui qui a choisi l'exil peut toujours rentrer. J'aimerais mieux les avoir de mon côté. Allons, Spartiate. Où serait le mérite ? Au revoir, Brasidas. Au plaisir. Oui, à bientôt. Je suis à tes côtés. Garde courage. Putain, moi je le recrute direct en lieutenant, quoi. Le duo de choc, quoi. Bon, ben voilà. Là, j'ai fait toutes les missions que les ETR m'avaient données. J'ai rencontré un Spartiate, le Brasero Spartiate. Hein. Et bien, sur ce, je vais vous laisser, parce que là, ça va vous faire une bonne vidéo à voir. Avec pas mal d'action. Et avec l'histoire qui avance à fond. Ciao.